c'est l'arrivée. C'est l'arrivée à Génicourt. Tu vois, les fermes comme ça là. On a 10 minutes d'avance, ça va nous permettre de trouver l'endroit. Ouais, c'est quand même un gros village. Hein. Une boîte de bâtiments là, tu vois. Palazzo. Tac. C'est quel nom russe ça? Il fallait que je tourne à droite, bah, je vais tourner là. Parce que là, ça s'arrête, tu vois le village. Allez. Une petite ruine là. Grosse ferme. Une église pour ceux qui y vont. Allez, je vais essayer de trouver la ferme. Bon ben on rentre par là. Hein. C'est l'entrée, tu vois. Là, tu as une belle haie tout le long de la propriété. Voilà, et l'entrée, elle est là. Ça, c'est devant la maison, là, il y a un parc. Là. Pas mal le parc. En bord de ruisseau, à mon avis, il y a de l'eau. Il y a toujours de l'herbe là. Voilà, c'est un peu... MC Le Griffon qui est là. Ah bah Christian. Voilà, la belle maison. Côté route quoi. Avec... Je sais pas ce qu'on peut faire de cet espace là. Je vais aller... Allez, je supprime tout, je peux garder le mauvais souvenir. Vous voyez, voilà. Un banc en friche. Là, tu as un espace, je pense, qui correspond avec l'écurie, tu vois. Ouais. Là, il y a de quoi faire. Tu vois, une salle de soins, à mon avis, ici, là. T'as un escalier, t'as un étage. Il y a peut-être de quoi stocker un peu du matériel là-haut. Là, bien la salle de soins. Tu vois, ça peut être pas mal, ça, avec un chiotte quand même ici. Bien. Une petite pièce là, derrière. Une douche, tout. Est-ce qu'on va faire un appart? J'en sais rien, mais c'est peut-être bien, tu sais, pour les soins des chevaux, c'est peut-être pas mal. C'est la porte qui vient de la maison, dans cette espèce de... Je sais pas comment appeler ça ici. C'est un... Et puis là... Je suis pas sûr de pouvoir avoir de la lumière. Oh, t'as une cave à vin là. Est-ce que je peux mettre la lumière là? Voilà, chauffe-eau. Belle cave à vin là. Tu vois, là t'as un bel espace là. Pour le pinard, c'est super. Il fait 13 degrés toute l'année là. T'as avec la chaudière. La réserve de fuel. Ok, je veux dire, écoute, elle m'a pas l'air toute neuve quand même. De Dietrich, tu vois, elle est dans cet état-là. Peut-être qu'elle marche, hein, on sait rien. Ça, c'est à toi de te renseigner. Voilà. Allez, je supprime tout, je peux garder le mauvais souvenir. Vous voyez, voilà. Un banc en friche. Là, tu as un espace, je pense, qui correspond avec l'écurie, tu vois. Ouais. Là, il y a de quoi faire. Tu vois, une salle de soins, à mon avis, ici, là. T'as un escalier, t'as un étage. Il y a peut-être de quoi stocker un peu du matériel là-haut. Là, bien la salle de soins. Tu vois, ça peut être pas mal, ça, avec un chiotte quand même ici. Bien. Une petite pièce là, derrière. Une douche, tout. Est-ce qu'on va faire un appart? J'en sais rien, mais c'est peut-être bien, tu sais, pour les soins des chevaux, c'est peut-être pas mal. C'est la porte qui vient de la maison,
dans cette espèce de... Je sais pas comment appeler ça ici, c'est un... Et puis là, je suis pas sûr de pouvoir avoir de la lumière. Oh, t'as une cave à vin là. Est-ce que je peux mettre la lumière là? Voilà, chauffe-eau, belle cave à vin là. Tu vois, là t'as un bel espace là. Pour le pinard, c'est super. Il fait 13 degrés toute l'année là. T'as avec la chaudière, la réserve de fuel, tu vois, ok, voilà. Chaudière, écoute, elle m'a pas l'air toute neuve quand même, de Dietrich, tu vois, elle est dans cet état-là, peut-être qu'elle marche, hein. On sait rien, ça c'est à toi de te renseigner, voilà. Face à l'ouest, voilà, avec la grange, le jardin, tu vois, avec la petite haie là. C'est mignon. Hein, c'est mignon. Et puis là, à mon avis, on peut faire des paddocks là-dedans. Je pense. Je pense qu'il y a un bel espace. Face à l'ouest. Voilà, avec la grange, le jardin, tu vois, avec la petite haie là. C'est mignon. Hein, c'est mignon. Et puis là, à mon avis, on peut faire des paddocks là-dedans. Je pense. Je pense qu'il y a un bel espace quand même. Ouais, donc, façade, fissure là. Les fenêtres, ça a l'air neuf. Les volets, ça a l'air neuf. Là, il y a comme un petit. Tu vois. Je sais pas si je vais pouvoir ouvrir par là. Là, par contre, ça, c'est des vieilles fenêtres. T'as vu, là, ça, c'est abandonné. Là, il n'y a rien qui s'y passe. Les pièces... Peut-être faire une sellerie, là. Ouais, je peux pas ouvrir. La façade... Je pensais la façade nord. Ça, c'était la façade est, là. Ça, c'est la façade nord, à mon avis, vu où est le soleil. Pareil, tu vois, les volets, c'est bien, les fenêtres, c'est bien. Voilà. Là, t'as tout un... Toute une partie... Après, vu le nombre d'arbres que t'as enlevé au cas là, il y a tout moyen d'enlever un peu des arbres. Bonjour. Je vais aller faire un tour après à pied. Ouais, donc, façade, fissure, là. Les fenêtres, ça a l'air neuf. Les volets, ça a l'air neuf. Là, il y a comme un petit... tu vois. Je sais pas si je vais pouvoir ouvrir par là. Là, par contre, ça, c'est des vieilles fenêtres. T'as vu, là, ça, c'est abandonné. Là, il n'y a rien qui s'y passe. Les pièces... Peut-être faire une sellerie, là. Ouais, je peux pas ouvrir. La façade, je pensais la façade nord. Ça, c'était la façade est, là. Ça, c'est la façade nord, à mon avis, vu où est le soleil. Pareil, tu vois, les volets, c'est bien. Les fenêtres, c'est bien. Voilà. Là, t'as tout un... Toute une partie... Après, vu le nombre d'arbres que t'as enlevé au cas là, il y a tout moyen d'enlever un peu des arbres. Bonjour. Je vais aller faire un tour après à pied. L'arrière du bâtiment. Il y a un gros trou là. On va se péter la gueule. Tu vois. Et il y a une petite cabane là. En pierre. En dur. Avec un grillage là. Tu vois, on le devine le grillage, je pense. Là, t'as. Ouais. Toi, c'est ça quoi. Une petite cabane comme ça. De part et d'autre. Tu vois. Voilà. Je sais pas si ça peut servir à grand chose, ça. Si, pour les gosses, pour se cacher. Voilà. Et la vue d'ici.
Je vais compter la distance, savoir si tu boules le bâtiment là, si tu peux pas faire une belle carrière ici, tu vois. Allez, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58. Là, tu sors de l'espèce de manège là. T'as une autre porte là-bas. Hein. Donc en fait, tu peux traverser ce bâtiment de part en part avec un véhicule assez important. Et là-bas, tu as un autre hangar. C'est peut-être plutôt ça que tu appelais le manège éventuellement. Bon, avec pas mal de bordel, mais ça c'est un détail. Et là, ça donne sur les champs. La façade de la façade du bâtiment là est vraiment belle. Voilà, ça c'est propre. Hein. Et la toiture paraît neuve là. Hein. Voilà. Donc moi, je pense que le champ là, il est pas à toi. Dans l'affaire. Voilà. Et là, il n'y a pas de la place pour faire un manège là. Pareil, tu as là la charpente, elle est fort rouillée, elle est bien rouillée quand même. On n'est pas sur du neuf. Par contre, pour mettre le foin à la paille, un véhicule, tu vois, tracteur, un petit camion, j'en sais rien, à l'abri ou mon bateau, c'est bien. Hein. Donc là, je sors du bâtiment en tôle. Le petit bâtiment en tôle. Ouais, tu vois, la toiture est neuve, là, à l'autre bâtiment. Tac. Et là, t'as du paddock. Hein. Ici, là, t'as du paddock. T'as une cabane là-bas. Je sais pas à quoi elle va servir. Je vais quand même aller voir. Tu vois, après, ça, c'est un peu bidonville, hein, ce truc-là. Là, t'as une porte qui donne sur l'autre côté de la grange. Donc là, ça serait pas mal, juste à côté de la salle de soins, si t'as 12 box, c'était pas mal. Voilà. Ouais, c'est là que... Je sais pas si c'est ça qui t'appelait le manège. Éventuellement. T'as un stock de fourrage au-dessus. Juste au-dessus de l'écurie, c'est pas mal pour nourrir ça. Tu vois? À mon avis, tu fais une trappe, et puis tu balances la paille et le foin par au-dessus, par le toit. Tu vois? Pour c'est énorme volume. Là-dedans, faire un manège, t'as quand même les poteaux au milieu, mais bon, je sais pas. Ou alors mettre des véhicules ici, hein, tu vois. Tu peux peut-être... Parce que là, le portail d'entrée, là, il est énorme. Énorme. T'as pas de lumière, hein, t'as vu les quelques fenêtres. La toiture est belle. Tu vois, ça a l'air propre, tout ça là-haut. La charpente est propre, elle n'a pas l'air de vouloir se péter la gueule.